Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une recette très gourmande. C'est parti pour le Brookies.
Bon, le gâteau est terminé, on va passer à la découpe. On va voir ce que ça donne tout de suite. Hop là, waouh. Je sais pas vous, mais moi ça me donne trop envie. J'adore les brownies, j'adore les cookies. Franchement, c'est un délice. Mais restez jusqu'à la fin parce que... Qu'est-ce que c'est beau à voir. Oh là là, mais les filles, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment rendre un gâteau très gourmand. A tout de suite. Du coup, là, on va monter une petite chantilly jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme pour garnir du coup le gâteau. Et du coup, le gâteau va être beaucoup plus gourmand et je vous attends pour la suite pour encore plus de gourmandise. Là, on fait notre petite déco sur le gâteau. Hop, on en met un petit peu sur l'assiette. C'est tout de suite déjà plus joli. Ça donne déjà plus envie d'en manger. Et ensuite, on va garnir avec du caramel au beurre salé. C'est juste un délice, les filles. J'en mets un peu partout parce que franchement... Et je vous avoue que au final, c'est vraiment, mais vraiment pas très sucré. On a l'impression que c'est très gourmand, très sucré, très bourratif et pourtant pas du tout. C'est hyper bon. Et ensuite, je vais parsemer d'M&M's. Non mais regardez-moi cette merveille. Oh my god, mais franchement, je ne commente plus, je vous laisse avec les images parce qu'il n'y a rien à dire. Et là, à mon tour de goûter, c'est un délice les filles. Franchement, testez, c'est simple, rapide et efficace. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt!